Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un sirop à la menthe maison. Cette fois-ci, je vais le faire avec ma sœur Nana. Pour faire ce sirop, il vous faudra 400 feuilles de menthe, 600 g de sucre, 600 ml d'eau. Pour commencer, on va récupérer les feuilles. Nous avons terminé d'effeuiller les tiges de menthe. Maintenant, on va bien rincer les feuilles. Les feuilles de menthe sont bien rincées, on les met dans une casserole ou une marmite. Je rajoute l'eau, puis le sucre. Nana, tu peux le verser pour moi? Oui, je m'en occupe. Dans ma marmite, j'ai donc mes feuilles de menthe, de l'eau et du sucre. Je vais faire bouillir le tout. Quand ça bout, je laisse cuire pendant 10 minutes à petit bouillon. Allez, je vais demander à ma maman de mettre ma marmite sur le feu. Mon mélange est en train de cuire. Il faut porter le tout à l'ébullition. Il faut prévoir une grande bouteille bien propre et stérilisée avec de l'eau chaude pour pouvoir y verser le sirop. Pensez à remuer de temps en temps. Mon sirop bout, on baisse le feu et on laisse cuire 10 minutes à petit bouillon. De mon côté, je prépare une étiquette pour décorer notre bouteille de sirop de menthe. Vous voyez, le mélange devient un peu vert à mi-cuisson. Le sirop est prêt. On va le transvaser dans la bouteille. Attention à ne pas se brûler. Comme vous pouvez le constater, il n'est pas vert comme au supermarché. C'est sa vraie couleur. Mais si vous voulez un sirop bien vert, il vous suffit de rajouter quelques gouttes de colorant. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À bientôt pour les prochaines activités de Zouzou.